Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accompagner la chanson « Pocket et basse » de Jeannette. J'avais fait une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où je jouais uniquement la mélodie de cette même chanson. Mais aujourd'hui, on va voir l'accompagnement et les accords. Alors, les accords. On a EM, ou Mi mineur, AM, ou La mineur, un accord de B7, le 6/7, je l'ai dessiné dans la partition qui est sous la vidéo. Ensuite, un accord de C, ou Do majeur, et l'accord de G, ou Sol majeur. En ce qui concerne le rythme, c'est ce que j'appelle un rythme en contretemps, ou un rythme reggae. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans une de mes précédentes vidéos qui accompagnait la chanson « Comme » de Jane. Alors, pour ce rythme de contretemps, je vais vous montrer sur deux accords, l'accord de EM et l'accord de AM. Ce qu'il faut, c'est commencer par taper légèrement sur les cordes ou la table de la guitare, et ensuite donner un coup de médiator sur le bas. Et ça, on va le faire 4 fois par mesure, ou 4 fois par accord. Je vous montre lentement. 1, 2, tap, bas, tap, bas, tap, bas, tap, bas, et je change, tap, bas, tap, bas, tap, bas, tap, bas, je change. Ceux qui tapent du pied, d'ailleurs je vous conseille de taper du pied, c'est mieux. Quand vous allez taper du pied, vous allez taper en même temps sur votre guitare. Donc je tape du pied et je tape en même temps sur la guitare. Et quand je remonte le pied, je fais mon accord. Je vous montre lentement sur l'accord de EM. 1, 2, tap. L'accord est quand le pied remonte. C'est la difficulté de ce rythme en contretemps. Ça, je l'ai joué pour tout le couplet. J'ai fait une variante pour le refrain, qui est un petit peu plus difficile. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous restez sur le premier rythme. Alors, la variante, je vous la montre sur l'accord de C. Pour le premier temps, on ne change rien. On tape et on joue notre accord. C'est sur le deuxième temps et le quatrième temps que ça va changer. Donc pour le deuxième temps, je tape et je fais bas haut. Je vous montre toute la mesure de C. 1, 2, tape, bas, tape, bas, tape, bas, tape, bas. Je vous montre sur deux accords, l'accord de C et l'accord de EM. 1, 2. Etc, etc. Bon, c'est pas facile, hein, donc il faut travailler vraiment très lentement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des explications pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, pardon, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit like si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.